Bonjour à tous et bienvenue dans les Gueufs Histoire, j'espère que vous allez bien. Un nouveau champion teasé dans l'histoire de Balzar. Riot adore distiller des indices au détour des nouvelles histoires qu'il ajoute au site Universe. Au fil des années, nombreux sont les champions qui sont tout d'abord apparus dans les récits consacrés à des champions déjà existants de League of Legends. Yone introduit dans la nouvelle de Yasuo, Ryl dans la nouvelle de Samira, et c'est un petit jeu auquel le studio s'adonne régulièrement. Pour notre plus grand plaisir. D'ailleurs, dans cette lignée, on avait aussi le droit à un tout petit indice de l'arrivée d'Arcane, planqué dans le clip de Giant de True Damage. Cette fois-ci, pourtant, la référence semble être un chouïa plus subtile. Quoique, au cœur de la dernière nouvelle dont Malzahar est le héros, intitulé Le Festin du Prophète, quelques phrases équivoques éveillent quelques curiosités, suscitant soudainement notre interrogation. Quoique le dernier plan d'action des champions nous ait plus ou moins vendu l'arrivée d'un AD saisonien, on se demande désormais si le prochain champion de la faille de l'invocateur ne sera pas plutôt issu du néant. Une narration donc en constante évolution, on a tendance à oublier, mais les récits qui encadrent League of Legends n'est pas statique. Pardon. Loin de là, l'arc du roi déchu nous l'a prouvé, l'histoire du monde de Runeterra n'est pas figée dans le temps. Et justement, le festin du prophète annonce un futur bien sombre, tout du moins pour ceux et celles qui luttent contre l'emprise du néant. Et au détour de l'un des derniers paragraphes, Malzahar semble prédire l'arrivée d'un tout nouveau champion, ou plutôt d'une créature. Je vous le cite, avec mon débouché évidemment. Le néant est pris dans une nouvelle forme, une nouvelle possibilité. Autrefois, je voyais le monde se terminer dans une absence de lumière et de ténèbres, et il ne restait rien. J'avais tort. Ce soir, je viens réparer ce tort. Ce soir, je me confesse auprès de vous, mes enfants. Le néant a parlé, et désormais, sous sa mère de lavande, elle veut. Elle vous veut, vous, vos expériences, votre existence, elle veut tout. D'aucuns avanceront peut-être que cette nouvelle forme fait référence à Rek'Sai, et c'est effectivement une des pistes qu'on peut considérer. Cela dit, et quoi qu'on ait peu de choses à se mettre sous la dent pour avancer dans cette théorie, on se plaît à croire que le prophète du néant annonce au contraire l'arrivée d'une nouvelle championne issue du néant. Une nouvelle créature gloutonne, avide d'expérience et de souvenirs.